Et nous sommes de retour avec un mercenaire qui rôde. On combat énormément ici. On combat énormément. On est à 2006. À 2618. Putain, ça a abusé. Ouais. C'est un peu abusé. On a ça, on a ça. On a encore quelques trucs à faire. On va faire la demeure. Ou l'aigle. Ou le mec qui est juste à côté de moi. Tiens, d'ours de merde. Catastrophe cet ours. On peut le tuer? On peut l'assassiner l'ours? Ah oui. Très bien. Très bien. Ah, parfait. Waouh. Putain de merde. Très bien. En tout cas, bienvenue. On va faire genre pas mal de trucs ici encore. On a tué deux mecs du cosmos la dernière fois. On a récupéré pas mal d'équipements sympas. Mais on fait beaucoup de bordel en fait dans ce... Voilà. On fait beaucoup de bordel dans cette ville, du coup on est un peu recherché en fait. Une prise, ça. Ça aurait été bien que ce soit une prise. J'espère... Oh putain, il y en a un autre encore. Très bien. Faut qu'on regarde un peu les stats là. Ok, c'est que des cons à tuer. Pourquoi refuses-tu de mourir? J'avoue qu'on a une grosse prime. Fasse casser le chien. Mais casse-toi le putain de clef de merde. Il y a plein de trucs à récupérer sur les cadavres et tout ça. Ça c'est fait. Je dois bien récupérer l'équipement de l'autre. Très bien.
va me rapporter. On a un putain de... de poulet. Ok. Ah ben je suis d'accord que avec notre prime, oui. Oui, oui, je suis d'accord qu'avec notre prime, les mecs n'ont pas du gain, quoi. N'a pas du gain de ouf. On va faire ça, après on va prendre la quête et on va faire ça. On va faire plein de trucs et puis après on tuera le mec à notre prime. Pour le moment, ça va, c'est des mercenaires de notre niveau, donc c'est pas trop trop grave. On va essayer de faire ça vite. C'est bientôt fini. De toute façon, on avait quasiment tué tout le monde. La garde sera vigilante ici. Bien. Ah ouais, on est bon. Et on a le combat contre les Spartiates à faire. Voilà, très bien. Maintenant, on a ça. On va faire ça. Et après, on prend la quête. Nickel. Ouf, c'est du sport, là. Du sport. C'est du sport. On est encore à 170 mètres. Hein. Bon, on se débrouille bien avec nos armes et tout ça. Je suis content. On est devenu quand même vraiment très très... enfin, assez solide quand même hein, avec en mêlée maintenant. Voilà, très bien. Parfait. On est devenu quand même solide, j'avoue. Un truc que j'aimerais faire, c'est augmenter ma vie. Non, pas ma vie, mais augmenter mon soin, en fait. Augmenter mon soin serait bien. Mais elle peut sauter plus haut ou c'est nous qui l'avons débloqué ça? Ou pas du tout? Ah si, on est niveau 2 maintenant. La rêvée ne cause pas de dégâts. Ah oui, d'accord. Saut de la foi, d'accord, ok. Ouais, on est niveau 2 maintenant. Et après, le prochain sera pendant la chute, appuyez sur RT pour étourdir les ennemis à proximité. Attention d'une autre roue d'aptitude au corps à corps pour les aptitudes de guerrier et assassin. Ah, ok, on aura deux roues. D'accord, ok, c'est pour ça que c'était limité. Ok, cool. Bah voilà, ils ont pensé à ça au moins, c'est bien. Mais il faut le débloquer. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. C'est un peu étrange qu'ils aient fait ça dans
genre dans une amélioration à avoir avec le jeu, quoi. Enfin, avec l'histoire. Il est là, le mec. Attends, d'abord, on va parler à lui. Non, 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 ce n'est pas vrai. Ah, c'est la dague. Qu'y a-t-il, Agapios? Qu'as-tu trouvé? Un nom, maître, qu'on retrouve encore et encore dans les archives. Le nom de l'homme qui dirige la dague. C'est lui. Ah, c'est le Martin Pêcheur. Il n'y a qu'à les triper. Il n'y a qu'à ouvrir en deux ce Martin Pêcheur d'un bon coup de lame. Et suspendre son cadavre pour décourager les ennemis de l'EB. C'est bien un raisonnement de Mystios. Ce n'est pas aussi simple. Dis-lui, bon. Agapios. Dans notre enfance, quand nous jouions, j'étais le Rouge-Gorge. Et le Martin Pêcheur était mon frère. Mais il est mort. Il devrait être mort. Je l'ai pleuré et je lui ai fait un tombeau. Je t'en prie, dis-moi qu'il n'est pas l'un d'eux. Dis-moi que mon frère ne fait pas partie de la dague. Bah puis, peut-être qu'il a fait passer sa mort pour devenir le chef, en fait. Ton frère est probablement mêlé à ça. S'il est le Martin Pêcheur, il est en lien avec la dague. Non, ça ne peut pas être le garçon que j'ai connu. Il me protégeait. Non, qui que soit ce Martin Pêcheur, ce n'est pas mon frère. Ton frère n'est pas né sous le nom de Martin Pêcheur. Bien sûr que non. Neritos était son nom. Il était plus vieux que moi. Plus turbulent aussi. Il se battait, il volait. Bah voilà. Mais il a toujours pris soin de moi. Il est impératif pour le salut de l'EB d'empêcher la dague de nuire. Je regrette, mon vieil ami. Il faut s'occuper du Martin Pêcheur, qu'il soit ton frère ou non. Je... Oui, maître. Je comprends. Je t'en prie, Mystios, aide-moi à découvrir l'identité du Martin Pêcheur. Nous pouvons disculper mon frère et empêcher la dague de nuire. Le B te sera redevable, encore plus redevable. Les coffres du magistrat sont bien remplis. Ta récompense n'aura rien de modeste. Ah ben, y a intérêt. Je vais t'aider, Agapios. Mais tu dois te préparer au pire. Il faut au moins 10 000. Preuve semble désigner ton frère. Les Martin Pêcheurs ne manquent pas par ici. Ce nom ne prouve pas que mon frère est coupable. Je connais un fermier qui a eu affaire aux membres principaux de la dague. Si quelqu'un connaît le visage du Martin Pêcheur, c'est lui. Je vais lui rendre visite. D'autres idées? Il y a une épave sur la côte sud de l'EB. Et le théâtre de Calchis répand les mensonges de la dague. Alors, pourquoi ton fermier paraît-il familier? Tu peux me dire sur ce théâtre? L'épave. C'est la guerre. Des navires sont coulés tous les jours. Quel est l'intérêt de celui-là? Il semble qu'il ait appartenu à la dague. Une esclave en qui j'ai confiance attend près d'un temple, au-dessus des ruines, à Eretria. Elle t'en dira plus. Ok. Un fermier qui a eu affaire à la dague. Je l'ai rencontré, ton fermier. Il ne savait rien d'important. Est-ce que tu as mentionné mon nom? J'ignorais que tu étais célèbre, Agapios. Je ne prétends pas être célèbre, mais dans certains cercles, eh bien, mon nom ouvre les portes. Faut y retourner, du coup. Tu as parlé d'un théâtre malveillant? Le théâtre de Calchis est une arme plus puissante que tu ne l'imagines, Mystios. La dague s'en sert pour empoisonner l'esprit des habitants. Vois ce que tu pourras y apprendre. J'en sais assez pour agir. Let's go. Quant au Martin Pêcheur, si je découvre que ton frère est à la tête de la dague... Ce ne sera pas le cas. Reviens quand tu en sauras le plus possible. Est-ce que ces gens, on peut les recruter ou pas? Roi des îles d'Alpentis, crypto de perspicace.
C'est ouf quand même d'avoir autant de... Regardez-moi ça. Oh, oh là là, on est plus recherché. C'est magnifique, on vient juste de tuer un mec en plein... En pleine rue, mais on est plus recherché. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est bien, la politique. Vraiment bien. Alors, partons pour... Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. T'inquiète pas, personne qui va te remarquer. Le théâtre. Je ne te laisse pas faire une chose aussi stupide. Prends ça, de la Dague doit mourir. Le tuer ne résoudra rien, Prexileos. Mais on ne peut pas le laisser nous faire ça sans réagir, Ria. Pense aux enfants. Tu crois peut-être que je ne pense pas à eux? Eh bien, on ne le dirait pas. Comment oses-tu? Ça suffit, vous deux! Tu es qui pour nous parler comme ça? La Mystios a raison, calme-toi. C'est mauvais pour eux. Vas-y, parle, étrangère! C'est Agapios qui m'envoie. Il veut prouver que son frère est innocent et anéantir la dague. Son frère? Neritos? Il n'est pas mort sur... Tais-toi, Idia! On a déjà assez d'ennuis comme ça. Dites-moi ce que vous savez. Faisons un marché. Tue quelqu'un pour moi, Mystios. Oh merde. Si tu m'aides, je te parlerai de l'endroit où complote la dague. On en a déjà discuté. Pas de meurtre. Parle à cet homme, plutôt. Oblige-le à tenir parole et à nous payer. D'accord. Je vais m'occuper de votre affaire. Un homme de la dague est venu nous voir un jour pour qu'on l'aide à étendre ses projets. Nous ne sommes pas liés à la dague, mais nous avions besoin d'argent. Il voulait que les enfants et nous-mêmes répandions le message de la dague au théâtre et dans les rues. Il se sert de vous et de la sympathie qu'inspirent vos enfants. Oui, et maintenant il veut qu'on le fasse pour rien. Il a arrêté de nous payer et il menace de s'en prendre à nos enfants si on ne continue pas. Je m'apprêtais à aller le tuer, mais Idia... On ne peut pas tuer les gens comme ça, Prexileos. Ah, ça si. Ne nous ressemble pas. Il habite la grande demeure au centre de la ville. Tue-le, et nous te paierons, Mystios. Tu entends ce que tu dis? Va lui parler. Menace-le s'il le faut. Nous ne sommes pas des sauvages. Je ne veux pas donner un mauvais exemple aux enfants. Je vais m'occuper de cet homme. Vous, préparez l'argent. Si tu as besoin d'autre chose, ou si tu oublies où est l'homme de la dague, reviens nous voir. Mais la dague le fera quand même! Ouh là là! Oh, la femme, quoi. Elle crie en plus. Fais ça de la Spartiate. Pané Martin Pêcheur. Rejoindre la ferme. Pour parler aux fermes. Oui, ça, c'est ce qu'on avait aidé. Je vais dire Thémis. Attends, par contre, tu veux que j'aille où exactement? Ah, mais j'ai une aptitude aussi. J'ai même pas fait gaffe. Oh là là, on a plein de trucs. Membre du cul, qu'est-ce qui se passe? On a débloqué qui? Lui, adepte non découvert, maintenant on peut. Cosmos combat pour Athènes, par conséquent, Athènes combat pour Cosmos. D'accord. Aptitude. Nos aptitudes. Ouais, je pense que l'attaque chargée peut être intéressante. Ouais, faudra tester. Dégâts portés à 150%.
Ah. 27 dégâts guerriers, dégâts de chasse, chasseur. Résistance aux éléments, et on perd en assassin par contre. Mais gagne en armure quand même. Très bien. Faut que je mette la quête. Oh là là. Alors, rejoindre la ferme, trouver, s'occuper du comparse de la dague. Il habite en ville de Chalski, en Nebe. Il vit au sud-ouest du temple. Et après, rencontrer le contact aux ruines. Allons voir ça. Je sais pas pourquoi des fois ça tremble, enfin bref. Voilà. Donc faut trouver le mec. J'ai un peu oublié ce qu'il disait parce que là je suis parti dans les aptitudes et tout. Du coup j'ai plus... Si vous le voyez ici, j'aurai des ennuis. Attends, je vais leur demander. Désolé, j'ai oublié. Complètement oublié. On est parti dans les aptitudes, l'équipement et tout, et j'ai plus fait attention. Vas-y, répète-moi. Qu'est-ce que tu veux encore, Mystios? Oui, mais je... Comment on peut... Cet homme de la dague, où vais-je le trouver? Il habite la plus grande maison de la ville. Il a beaucoup de gardes, alors méfie-toi. Ça marche. Parfait. Je vais m'occuper de cet homme. Rappelle-toi, pas de meurtre, ni de sang. Va, Mystios, et fais ce qu'il faudra. Merci. Plus grande maison. Genre celle-là. C'est qui, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais, mec? Reviens. Pourquoi tu te balades ici? On va voir ce qu'il dit quelque chose. Tu veux m'aider? Ça serait bête... Enfin non, ça serait bien qu'on puisse... dans un sens... Genre demander de l'aide à des mercenaires. Nous on le fait indirectement en fait. On les fait à gros des monstres des fois, mais... Ce serait vraiment cool. Bon, du coup il est là le mec. Là si on vole, on n'est pas... On voit. C'est d'accord. Ouais. Non, ça va. Tant qu'on ne voit pas. Du coup, c'est pas cette maison. Ça, c'est un temple là-haut. Je sais pas où peut être le mec. C'est la grande maison dont ils ont parlé. C'est lui, l'homme de la dague qui menace le couple de théâtre. Ben voilà. Ah. D'accord. D'accord, zone interdite. Ouais, cassez-vous.
Ah, on l'a déjà fait cette maison. On s'en fout des gardes du corps en fait. Je vois pas pourquoi. Tiens, on s'est pris un rocher dans la tête. Une Mystios ? Qu'est-ce que tu veux ? Ta tête, que je mettrai dans un sac. Garde ! À moi, et vite ! Ah ou... Mais arrêtez ! Quoi ? Montre-moi le chemin. D'accord, l'autre il a tué le mec. C'est la meilleure façon de s'occuper du mec de toute façon. On a une, on a eu un échec de mission, je crois que c'est parce qu'il y avait un mec où il fallait rendre la quête qu'on a tué en fait. Bon, du coup la femme va pas être contente, mais au moins c'est réglé. Mais saute, qu'est-ce que... Mystios, j'ai envoyé les enfants ailleurs. Fais en sorte que ce malaka de la dague n'aille pas. La ferme. On les trouvera, tous tes petits chéris. On en tirera un bon prix. Bon. Relâche-les, sur le champ. Je vais le faire, après les avoir entaillés un peu. Malaka. La dague n'apprécie pas des intrusions dans ses affaires. Mais ça va, on les tue tous. Elle n'a qu'à s'écarter de mon chemin. J'ai toujours aimé le spectacle. Alors tâchons de rendre la chose intéressante. Tu as l'air d'avoir un petit talent dramatique, Mystios. Et nous sommes dans un théâtre, après tout. Alors, je vais te laisser écrire le dernier acte de cette pièce. Viens-en au fait. Quelqu'un va mourir ici, aujourd'hui. Parfait. Ce sera toi. Essaie. Et ces deux-là auront la gorge tranchée avant que tu ne m'atteignes. Ne prends pas de risques, Mystios. Mais, comme je le disais, quelqu'un doit mourir. Ah, il va me faire il va me faire choisir. C'est toujours plus drôle quand un amant regarde l'autre se vider de son sang. Alors, Mystios, qui se mêle de tout, qui va-t-on épargner ? Sauvidia, Mystios. Quoi ? Non ! Sauf Prixileos. Les enfants ont besoin non, de lui. Sauvidia, je t'en prie, elle est plus importante. Le temps est écoulé. Choisis la fin de notre petite pièce, Mystios. Je vais les sauver, mais toi tu vas mourir, vermine. Oh, mauvaise réponse. Skyros, Mystios, va Skyros, dis-le à Agapios. C'est de là que la dague contrôle le B. Détruis-la. Sale petit... Cool. Au moins on a toutes les réponses. Comment veux-tu mourir ? Wow. On verra plus de
Adieu. Je ne laisserai pas se perdre vos dernières paroles. J'aime pas, je choisis. De Skyros à Agapios. Et je vais vous venger. Je n'ai pas encore rencontré tous les contacts d'Agapios. J'aime pas vraiment choisir, donc bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Tu veux que je t'en donne un de combat? Il vaut mieux aller voir ça. Je voulais pas choisir honnêtement, donc bon. Se pousse le gamin. Ça brûle, non ? Il est en rage. Ça va recommencer, hein. On va avoir encore une chasse énorme où on va avoir 2000 pièces au-dessus de notre tête, ça veut dire. Alors, fais voir un peu. Donc il faudrait retourner là-bas vers la... reparler aux gens là qu'on avait sauvé. Enfin le mec qu'on avait sauvé. J'imagine qu'on a eu... Enfin cet événement s'est produit parce qu'on a tué l'autre. Au lieu de lui parler, je sais pas trop. Pas honnêtement, on s'en fout un peu perso. On fait du mieux qu'on peut. Hein. Allez, cheval, dépêche. Très bien. On va aller leur reparler. La Mystios, attrapez-la. Quoi? Un piège? Oh non, pas question. Je vais t'avoir. Ça marche. Je préfère le bâton quand même. Hein. Quand il y a plusieurs cibles. Voilà. C'est bon mec. Désolé, Mystios. Je n'ai pas eu le choix. Tu peux t'expliquer? Pardon, Mystios. Ces gens ont appris que nous avions discuté et ils m'ont menacé. La DAC te déteste vraiment? Eh ouais. Si jamais tu recommences, je te tuerai moi-même. Je comprends. Ravi de te revoir. Tu viens chercher de l'huile d'olive? Non. Je suis venu te parler de la dague. Je n'ai rien à dire à ce sujet. C'est ce qu'on vient de parler. Je suis venu te dire que je travaille avec le magistrat local et son assistant, Agapios, afin de l'anéantir. Mais pour cela, j'ai besoin de savoir ce que toi tu sais. Il vaut mieux que tu ignores toute cette affaire. Crois-moi. Parle. Méritos. Il s'appelle Méritos. Non.
Je ne peux pas le croire. Je vais mettre fin à tout cela. On n'en parle plus. Je n'ai pas encore rencontré tous les contacts d'Agapios. Ok. Encore un peu de fun. Encore un peu de fun. Ça va, tu viens pour moi? Merde, je me suis soigné pour rien. Gaffe toi. Ah putain, c'est ils sont de la hyper armure hein, comme dans Dark Souls. Semaine. Périphase le point. Il a l'air motivé lui. Ah, j'ai pas testé l'attaque chargée. Oh waouh, ça a du temps à charger. Waouh, c'est de la merde. Oh mon dieu, la portée de merde quoi. Bon bah on n'a plus besoin du coup de pied spartan, on peut faire ça à la limite. Pourquoi prolonger la souffrance? Oh mon dieu, c'est nul. Pourquoi prolonger? C'est un peu nul. La portée elle est pourrie quoi. La portée elle est complètement pourrie mais du coup ça on n'a plus besoin du pied, du coup de pied spartan à la limite avec l'attaque chargée. Le coup de pied est mieux, honnêtement mieux. Mais bon, on peut faire plus ou moins la même chose avec ça maintenant. Faut aller au contact avec les mecs des ruines, la personne des ruines. On peut aller là, ça. Ouais, on peut faire tac, tac, tac. Ça va réduire un peu notre recherche. Allez, Phobos. C'est sympa l'environnement quand il pleut un peu et tout ça.
Il y a un peu de brouillard et tout, c'est stylé. Allez. Putain, d'ours partout là. Campement de Gingon. De machin. Campement de machin. Très bien. Pas de. De légendaire. Il y a un autre camp là-bas. Le lieu sera bien défendu. Très bien. Putain. Voilà. Quoi ça? D'un léopard et d'un lion. Un truc comme ça. Le cadavre. Tu dois mourir. Quoi? Putain de merde. Ah putain, je suis en feu. Ah, ce feu est dangereux. Je suis en train de me demander, est-ce que le feu est boosté par mes aptitudes? Genre quand je prends feu, plus ou moins à cause de moi-même. Est-ce que c'est boosté en dégâts? Bon, ça c'est fait. Ouais, on a là. On va voir un peu ce qu'il y a là-bas. Caméra. Ah, juste passe là, quoi. Ça, ça a l'air d'être sous l'eau, donc non. On n'a pas notre bateau avec nous. Eritia. Ces ruines sont... Ah, les esclaves ne connaissent pas le repos. Allez, du nerf, vous autres! Eritrea ne va pas se reconstruire toute seule! Quoi? Hey! D'accord. On y va maintenant. C'est con, ça a coupé son discours de trop avancer, c'est bête.
Ça, c'est le notre contact. C'est Agapios qui t'envoie ? Oui. Tu as été suivi ? Non. Tu es sûr de ne pas avoir été suivi ? Personne n'a pu me suivre. J'ai pris mes précautions. Tu as couvert toutes tes traces ? Toutes. J'en suis certaine. Malaka, tu mens ! Tu l'as conduite jusqu'à moi ! Qui ? La dague. Sa corruption, son influence sont infinies. Elle surveille cette épave, et je suis certaine qu'elle t'observe aussi. Alors... Qu'est-ce qui est arrivé à ce navire ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faisait partie de la flotte de la dague. Ses hommes essaient de récupérer ce qu'il contient. Et si c'est important pour la dague, c'est important pour nous. Comment t'es-tu retrouvée mêlée à tout ça ? C'est le bateau de mon maître qui a attaqué le navire de la dague. Mais il est mort, comme beaucoup de ses hommes, lors des combats. Mm-hmm. Je trouverai ce qu'il y a là-bas. Merci. Tu aimerais savoir autre chose avant de partir ? Où se trouve cette épave exactement ? L'épave, ouais. Droit au sud d'ici. Tu ne peux pas la rater. On voit encore des débris à la surface. Ouais, mais du coup, moi, j'ai pas... J'en sais assez pour continuer. J'ignore quelle est sa cargaison, mais elle intéresse beaucoup la dague. Si tu réussis à la trouver, peut-être mon maître ne sera-t-il pas mort pour rien. Quand ce sera fait, retrouve-moi à Eretria. Ça marche. Bon bah c'est bon, on a un bateau. Alors, en théorie... Tu vois, on va faire ça avant. J'allais dire, on prend pas des gaps de chute. Mais genre... Genre on peut sauter de n'importe où. Ah ouais, on peut vraiment sauter de n'importe où. Voilà, très bien. Voilà. Donc maintenant, on peut complètement sauter ouais, n'importe où. C'est bien, ça. Je sens que je vais pas aimer ça. Les débris de l'épave de la dague. Voilà, c'est l'épave. On s'en fout. Est-ce qu'il y en a d'autres des requins ? Il y a trois coffres à récupérer sûrement. Enfin un d'histoire et. Enfin un pour la quête et deux extras. Ouais, voilà, okay. Il y a au moins deux requins à chaque fois. Oh je suis pas fan d'aller dans l'eau. Putain, je déteste ça. Il y en a trois.
crois que ça sert à rien. Sauf s'il arrive. Merde. Ok. Wow, qu'est-ce qu'ils font là? Ils combattent? Non, c'est les mêmes. Les cons de... cons de pirates, ça fait pas naviguer. Aïe aïe aïe, putain, faut en sauter. Chier, pas du tout ça. Les coffres. Ah. Ok. Une lame d'un style plus courant. Ce doit être ce que cherche la dague. Maintenant, trouvez la femme à Eretria. Que deux coffres. Bon, on est bien. Yeah! On a réussi! Yeah! Alors, on a vu qu'on a récupéré un truc de navire. Modèle de navire chimère. Chimère, redoutable créature, mélon lion, chèvre et serpent ont été immortalisés par Homer dans une très célèbre Iliade. Elle pourrait être tuée un bel. Ok, super. Alors, on a eu un équipement. 28 en. Violet, massue lourde, accumulation élémentale et dégâts assassins. Ça pourrait être pas mal. Après, on prendra ça. J'ai eu l'impression qu'on a récupéré un casque. Je vais parler sacrifice d'Achille. Un casque sur le requin. Pas certain que c'est ce que j'ai vu, mais c'est un peu étrange. J'avais dit la dernière fois qu'on ferait aussi le combat entre Athènes et Sparte, mais j'ai complètement... Enfin, on n'avait pas le temps, quoi. Bon, on a récupéré la dague, enfin le cadeau, enfin le... qui est recherché quoi. Allez, on ne se laisse pas distraire. Oh merde. Combat. Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu t'intéresses à l'épargne? Et les mecs. Quelqu'un. Tu vas crever mon con. Tu essaies au... Qui veut lui à ramasser une épée?
Mieux vaut m'assurer que cette femme va bien. Voilà. Tu es blessé ? Je... N'aie pas peur. Tu ne crains plus rien. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu as trouvé quelque chose ? J'ai trouvé cette lame, qui porte des marques étranges. Ah, alors l'objet que la dague tenait tant à retrouver était... Une dague. Cette lame est probablement utilisée pour offrir des sacrifices à Achille. La dague doit le vénérer. Trouve le bon temple d'Achille et tu trouveras la dague. Mais quel temple est le bon ? Agapios le saura quand je lui montrerai cette lame. Trouve-toi un endroit sûr et cache-toi jusqu'à ce que ce soit fini. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai que les vêtements que je porte. Sur mon bateau. Tiens, ça t'aidera à prendre un bon départ. Ou pas. Merci, Mystios. Je n'oublierai jamais le cadeau que tu m'as fait, la liberté. C'était la dernière des pistes d'Agapios. Le voile lui dire ce que j'ai appris. Ça ne va pas lui faire. Langue acérée. Mystios. Pardon. J'ai décidé de rester et de refaire ma vie en rebâtissant Eritrea. Ça marche. Rien à foutre. Ouais, non, non, rien à foutre. Le cheval qui s'éloigne, quoi, c'est incroyable. Tu t'es battu, toi. Ouh. Toi, tu vas venir avec moi. Ah là 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 là. Elle est juste là. C'est tout ce que tu sais faire. Allez, abandonne. Il ne tiendra plus longtemps. Pourquoi ne pas ? Ok. Par contre, ils me font chier là. Quand allons-nous être les poèmes ? Il a manqué d'argile. Si la dague est passée par là ? Ok, très bien. Alors, fais voir un peu. Ok, toi aussi. Si le travail ne te fait pas peur, sache que je fais très bien mon équipage. Parce qu'il le défonce à chaque fois. Par contre, il faut un peu chier de toujours être en poison là. Voilà. Putain, il m'a... Une face en toi, voilà ce que tu as. Merde, c'est lequel qu'il faut attraper ? Je crois que c'est... Xander.
Putain, mais vous êtes frère ou quoi? Oh merde. Xander, le roi du poisson. C'est quoi ce nom? J'avoue qu'ils sont relous avec leur poison. Ah putain, j'ai cru qu'il allait toucher l'autre quoi. Allez, avance! Tu vas mourir ici, lâche. Attends, arrête! J'ai besoin de cette... Ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer cette histoire. Oh putain, elle veut pas monter. C'est un soldat. Évidemment. Tu pourrais tuer l'autre en fait. Là on est mal mis ici, on peut pas vraiment genre leur tomber dessus et tout, c'est un peu la merde. Non là c'est vraiment con. Ah désolé mais là on fait de la merde. Ah putain de poulet à la con quoi.
Putain, mais à chaque fois, quoi. Va au port. Un homme appelé Barnabas engage des marins pour mon équipage. Merde, c'est où qu'on l'a tué là? Dans les feuillages, je crois, là. Ouais. Alors, je vois pas comment il s'est vénère, lui, alors qu'il était dos tourné. Putain. Déjà on va changer le cheval, c'est très moche en fait. Alors ça c'est mieux. On perd les critiques, mais c'est pas grave. Je vais voir l'arc. Très bien. Bien comme ça. Doucement. On va peut-être refaire des... il y a des Spartans morts par terre. Peut-être refaire des flèches. Voilà. Alors, navire. Récupération d'intégrité navire après abordage et dégâts si intégrité faible. Non. 12% à santé tous les soldats de marine. Énergie des rameurs. Reconstitution d'énergie des rameurs, création des points faibles par flèche. Sympa. Alors. Le filon d'argent. Personne très riche pratique le commerce maritime. Ah, je crois que notre un des mercenaires devait combattre les Spartans, je sais pas pour quelle raison. Mais et vu qu'il était abîmé, le mec, il a dû le combattre. Ah, faut pas tuer des Spartans ici. Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Merde.
il m'a touché. Oh, Is. Oh, Is. Il m'a touché quand même. T'es sûr. Mais bon, on se casse. Je crois. Oui, oui, oui. C'est juste une zone d'éradication, c'est pas un point. Avance. Ce serait bien de trouver un bâton de haut niveau 27 ou 28. Ce serait vraiment, vraiment cool. De point de vue à eux, honnêtement, le bâton est vraiment sympa. Aïe aïe aïe. Mono Macho. Pourquoi il y a autant de gardes? Te revoilà. Qu'est-ce que tu as appris? La dague est installée à Skyros. Elle semble préparer un rite au temple d'Achille. Qu'as-tu appris à propos de mon frère? Il est en vie? C'est le Martin Pêcheur? Pense avant toi, une entière dague. L'important, c'est d'empêcher la dague de nuire. Oh. Alors, c'est lui. Ça ne pouvait être que lui. Neritos a toujours eu le don de s'attirer des ennuis. Un temple consacré à Achille sur Skyros, dis-tu? Agapios. Halt, esclave! Halt, esclave! Garde! Garde! Non! Cet homme a depuis longtemps gagné sa liberté. Grâce à toi, nous connaissons désormais le visage de la dague. Et le B possède une chance de survivre. Tu as mérité ta récompense. Mais je crains que la victoire ne se limite pas à attaquer Skyros. Le Martin Pêcheur se cache dans l'ombre depuis des décennies. Cela prendra beaucoup de temps. Aide-moi. Aide le B. Ah ouais, ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Bien. Je vais emmener une petite troupe au quai des contrebandiers de Skyros. Retrouve-moi là-bas, et ensemble, nous écraserons la dague. Ah, carrément. Il est où ton quai? Martin Pêcheur et le Rouge-Gorge. Sans déconner? Oh, comment ça me fatigue avec vos quêtes là. Rejoindre le quai du contrebandier à Skyros. Ah bah oui, oui, du coup, oui, on doit aller à Skyros. Oui, oui. Skyros, c'est bon. Skyros, c'est loin, on n'y est jamais allé en plus. Plaine d'Achille. On tourne voir l'espionne. Ça marche. Ouais, pardon, voilà. Elle était en ville, l'espionne. Pourquoi elle veut pas s'afficher quoi? Pour une fois. Bah, c'est normal, c'est moi qui l'ai désactivé, mais faut pas le dire.
J'ai le droit de me plaindre. On a des missions dans le temps. Enfin, ouais, bof. On s'en fout un peu. Enfin, après, ça peut être un truc genre on l'a déjà fait, peut-être. Kéré, est-ce qu'une mercenaire pourrait être utile? On me respectait jadis, Mystios. Mais j'ai tout perdu au jeu. Quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'endroit où dormir. Tu es un idiot. Il faut être vraiment idiot pour jouer. L'autre a triché, Mystios. Quelques drachmes me permettraient de me relever, ou de me venger de celui qui m'a pris ce que j'avais. Donc tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que tu donneras sera utile. C'est à toi. C'est que 50, et puis bon, voilà, 7200 sont d'expérience, c'est pour ça. Je vais pas dire non. Tu es de retour. Tu les as tués? Je me suis occupée de ces problèmes, jusqu'au dernier. Tu m'as aidé plus que tu ne l'imagines. Prends ceci. Ça ira. Merci. Alors, avant de partir, on devrait aller au forgeron et peut-être s'occuper de l'autre aussi. Je dirais que on va au forgeron parce que là on a changé un peu d'équipement. On va s'occuper de l'autre avec notre prime et après on va combattre les Spartiates avec les Athéniens. L'endroit est bien gardé. Je pense que ça a l'air pas mal comme plan. Ce serait bien un sprint. Ou... Enfin, après, elle court vite quand même, mais bon. Des fois, j'ai envie qu'elle court plus vite. Eh oui, pardon. Derrière toi. Alors, allez. Là, on est bon. Là, on est bon. On a des gars de feu. Des gars de feu. Des gars de feu. Probabilité de critique, ouais. Ouais, je vais démanteler le bâton parce que de toute façon maintenant on est 29 donc on va pas avoir un truc avec 5 niveaux de retard. On a détruit le bandeau là, le cache-œil. Je me demande si c'était une bonne idée ou pas. On a une lance niveau 30. On a ça. C'est déjà niveau 27 donc c'est pas très grave. Chose, dis-le très moi. Bien, non, mais bon. Sauvegarde et on est bon. Par contre, pour faire le combat, c'est loin. On doit se mettre du côté d'Athènes. Merde, on est chassé.
Peut-être qu'elle s'agrippe, mais non. Oh, merci, parce que là, ça commence à me gaver. Merci. Ah mais c'est des bombes poison quoi, c'est ouf. Mais mon dieu quoi. Putain, mauvais moment. Encore une fois au mauvais moment. Que c'est la des bottes en or. Je ne vous rate pas ici. Ça brûle. T'es mort. Sandales d'Atalante. Très bien. Ça doit être un truc pour chasser, ça. Aïe aïe aïe. Alors, pas du tout. Guerrier, résistance élémentale. D'accord. Ouais, bah c'est con. Bah c'est bien, mais c'est con. C'est pas vraiment bien en fait. Hein. Bonjour. Au final. Encore une fois, c'est parce que voilà, c'est en or notre niveau. Et encore non, c'est 28, on est 29. Ouais, blindage d'armure, quoi. C'est ça qui est bien. Il y a un autre dirigeant. Un autre dirigeant, tiens. Je dois rester caché. Pardon.
Je savais pas que des gens étaient revenus ici. Bon, on se casse. Celui-là qui s'occupe de notre paye, notre... il est où? Il est là? Il est là. J'avoue que... de pouvoir faire ces sauts là maintenant, c'est quand même bien. Que vous voulez combattre vraiment? Ouais, peut-être que je fasse une attaque chargée quand ils sont à terre comme ça. Encore plus de tueries en payant notre dette. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas grave. Tant que ça marche. On sort de la ville et après on prend le cheval parce que là, mais carrément, ça va, il nous cherche plus maintenant donc c'est bon. Voilà, parfait. Donc on fait ce combat, qu'est-ce qu'on a à faire après? Après il faudra aller sur l'île de Kermos pour attaquer la dague et en finir. Mais je sais pas si on va avoir le temps. Et honnêtement j'ai un petit mal de tête donc je pense qu'on va faire le combat avec Athènes et puis basta. Ça va vite. J'ai vu qu'il y avait un mode qui pouvait enlever la limitation de vitesse comme ça. Parce que quand on rentre en ville, ouais, c'est, du coup elle veut plus galoper. Elle est au trot. Donc c'est un peu embêtant.
Je trouve ça un peu con, dans un sens ça n'a pas vraiment de sens. On devrait... Ouais, faut alors à la limite avoir une touche, ou enfin au joystick c'est pas difficile hein, de ralentir. Donc bon. J'aime pas être forcé en fait. Je trouve ça con. Bon là on devrait, niveau combat corps à corps, on devrait être bon. Encore une fois on n'a pas de bâton pour les AOE, mais la lance fait le ménage. On va sauvegarder. 27. On a une autre. Oh, 12% de dégâts sur les spartiates. Ah mais là on a dégâts de lance. Et on a 4% écrit et dégâts de la lance. Ouais, ouais. Alors on va garder celle qu'on a parce que j'ai pas envie de changer. C'est marrant parce qu'on pourrait tous les combattre. Mais est-ce qu'ils nous donneraient quelque chose ? Non, y a pas le butin en fait. Bah non, c'est juste des soldats normaux, honnêtement. Guerrière à la lance brisée. Tu as envie de venir enfoncer la première ligne spartiate avec nous ? Je combattrai pour Athènes aujourd'hui. Alors tu combattras avec honneur. Allons apprendre la douleur à ces spartiates. Ouais, c'est parti. Ça m'embête, j'ai mal de... Ah d'accord, pas de... Pas de cinématique. Ah, c'est considéré comme un petit bouclier, ça ? D'accord. Ouais, non, d'accord, sa distance est débile, donc c'est sympa. C'est pas mal celle-là, tiens. Ah tiens, attends, pour définir quoi ? Basculer ou maintien de touche. Certaines actions peuvent être effectuées activant ou désactivant. Ah oui, mais ça c'est pour genre à position accroupie. Faut voir s'il y a d'autres. Du coup, on perd pas. C'est un truc qui est con. Ils auraient dû faire en sorte que. Genre, du coup, on perd la bataille, c'est les Spartiates qui gagnent. Je pense que ça aurait été vachement bien de faire ça. Effet accroupi, marcher, maintenir vitesse de marche. C'est quoi ça, vitesse de marche? Si on visait maintenir double appui pour sur déplacement. Plan vertical de leg, sans vitesse, on s'en fout. Suivi oculaire. Putain, ça tue. Viser selon le regard. Appuyez sur la commande de viser à caméra contre la cible que vous regardez. Marquage d'ennemis. Ah putain, ça tue. Putain, j'aurais bien voulu. Je voudrais bien avoir ça. Vitesse de marche, je pense que c'est par rapport au clavier en fait. Vu que nous on a. On a un joystick. Porteuse d'aigle. Ma lame est dure. Ouais non, c'est débile, je vois pas pourquoi Sparte gagne pas du coup. Comme ça, bah ouais, on perd notre.
On perd notre combat, quoi. D'accord, je me fais enchaîner, quoi, débile. Le feu, il s'éteint ou quoi? Très bizarre ce qui vient de se passer. Je l'ai brûlé plusieurs fois, le mec. Les attaques chargées, c'est bien. Il a récupéré un bouclier ou quoi? Ou je l'ai pas fait? Je l'ai pas viré son bouclier. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. C'est ton dernier jour dans ce monde. J'ai l'impression que c'est à moi de m'occuper de toi. J'ai l'impression qu'on est peut-être invincible quand on fait toutes les habilités, et je crois que le feu en fait partie. Ah, superbe, pas mal ça. Oh le mec. On est tellement en retard en combat. Avec la barre. Bien.
espèce d'enfoiré. Putain de merde. Arrête, arrête de cibler les trucs. Ok, très bien. Tuer le un des chefs. Je sais pas si on va le gagner ce combat. Pas mal. Mais attends, on va faire le capitaine. Pas mal. Super, putain d'attaque de merde. Y arriver. Putain de merde. Oh, si, on a gagné. Oh la vache. Putain, on a tué un cuisinier, quoi. Eh ben... Allez. Ah, c'était... Ouf, c'était mouvementé, là, par contre. Grosse lame. Lame lourde. Ouais. On pourrait tester la lame lourde, mais je suis pas sûr que ça me plaise. Mais bon, on peut tester. Qu'est-ce qu'on a là? Résistance au corps à corps, assassin, adrénaline pour assassinat. Ah, on est 29. On est 29. Bon, encore une fois, on n'a rien à augmenter. On commence à tourner un peu en rond.
Est-ce qu'il y aurait des habilités qui deviendraient un peu utiles? En fait, le problème, c'est que si on peut jamais les augmenter, les habilités, elles deviennent pas vraiment utiles. C'est ça le problème. Ça, c'est pas si... Non, ça, c'est actif. C'est actif. On pourrait tester la flèche qui transperce. On va voir un peu comment ça fonctionne. Possibilité d'employer des flèches spéciales. Parce qu'à la limite, si on peut genre transpercer plusieurs cibles, à la limite, ça peut être marrant. Je sais pas, faut voir. Faudra voir. Bon, je crois qu'on va aller au port et on va s'en aller. Mon dieu, c'est loin. Lui m'a dit d'aller là. Allez, on y va. C'est à 2200 mètres. Oh mon dieu. Je crois que pour une fois, on va se téléporter. Ah, du coup, le camp, il n'y a plus personne. D'accord, ils sont tous morts. Quoi, cette merde? Allez, on y va. Bah, c'est quoi cette débilité, là? Pourquoi... En plus, ils ont gagné pour fêter ça, ils se sont suicidés. Ouais, ils sont bizarres, les gens. Hey. Ils sont très bizarres. Ouais, je vois pas trop où la flèche fantôme pourrait être intéressante. Où est-ce qu'elle pourrait être intéressante, la flèche fantôme? Que maintenant on a l'habilité pour enlever les boucliers. Donc apparemment les boucliers qui ressemblent à des boucliers genre moyens, pour moi, bah ils sont comptés comme des boucliers petits aussi. Parce qu'on arrive à les enlever avec l'habilité. Donc bon... un peu étrange. Donc ça veut dire que pour le moment on a vu personne avec des gros boucliers. Genre on sait pas ce que c'est, on sait pas à quoi ça ressemble. Ce serait quoi, genre des trucs comme les Romains là, genre le gros rectangle. J'imagine. Le pavois quoi. Ça doit être du gros bouclier ça. Et on a vu personne encore avec ça du coup. Mais après, ouais, la flèche qui transperce, je vois pas trop l'utilité. Moins que ça fasse très mal sur plusieurs cibles, à la limite, mais bon. Comparé à ce qu'on a, hein, je parle. Comparé à ce qu'on a, je vois pas trop l'utilité. Bah en tout cas, oui, hein, ça va faire un petit moment maintenant, ça fait quelques épisodes que niveau combat, on défonce tout. Hein. On est bien résistant et tout, c'est bien ça. On est bien résistant et on fait des dégâts, c'est ça qui est bien. Est-ce que on peut genre demander au bateau de venir ici? Ah voilà. Ouais en fait on laisse passer un moment. Je sais pas, on envoie l'aigle dire de venir. Yeah. Ok, ça c'est bien ça. Ça c'est vachement bien ça.
29, ouais, au début de 29. Réparez les rames! Le capitaine prend la barre! Du coup, faire le tour de l'île. Accrochez-vous, valets ! Ça m'étonnerait qu'il puisse ramer plus vite. La baie de Marathon. Wow. Je ne suis pas sûre de... L'endroit où le grand Kézé a tué le redoutable taureau crétois. Oh, ce marathon. Il va falloir se battre. Capitaine, il se dirige droit sur nous. Embrochez-les. Non, quasiment rien pris. Ils arrivent droit sur nous. Non, c'est nous qui arrivons sur eux. Putain de merde. Malaga, ils vont nous éprôner. On est à pleine vitesse. On se renvole, accrochez-vous. Capitaine. Archer, tenez-vous prêts. Je crois qu'ils vont nous éprôner. Allez. Attention, on s'accroche. À nous. Allez, pleine vitesse. Oh. Plus vous pourrez vous couler. Oh. Non, prêt. Allez. Qui ne vous prêt. Envoyez volant. Par les courses de Poseidon. Oh, on est bon. J'ai intérêt de on a intérêt de récupérer beaucoup de vie. Hein. Arrêtez de parler pendant que on fait ça. Oh mon Dieu, sans déconner. Ah mon Dieu, je me déteste. J'avais oublié que j'avais un peu changé d'arme. On a la hache là pour tester un peu. Ouais, on a récupéré la moitié. Voilà, peut-être ferme ta bouche. Et on a récupéré de la vie avec la bordeuse. Ah, c'est peut-être les... Non, mais ils disent que c'est le HUD, les Z, là. Le mec, il arrête pas de parler, c'est pour ça. Voir un peu le lâche. Ouh.
tuerai pour ça. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant la grosse hache. Pas vraiment mon style, mais pourquoi pas. Il y a beaucoup à faire et beaucoup d'incertitudes à l'horizon. Ça va, on est full. Alors, attends, un truc que je voulais voir. C'est pas ça. Pas ça du tout. Mercenaire, non. Ah oui, putain, je suis désolé. Oh là là. Je voulais voir ça. Genre, budget et région. Budget, aptitude, navire. Faut voir un peu ce que c'est. Ah, d'accord, c'est les trucs du bas. Non, bah non, on a besoin parce que sinon on sait jamais quand on les a. C'est débile. Ouais, non, y a pas. Moi, je voudrais juste qu'il ferme sa gueule, l'autre. C'est trop demandé. En avant. Allure maximale. Là, t'as l'air d'être obsédieux. Augmentez la vitesse. Voyons si vous aimez les flammes. Lancez vos flèches. Bien. Ah, on peut. Ouais, c'était violent. Je vois un peu les tirs. Fantôme. Ah oui, je crois qu'on peut toucher plusieurs cibles à la fois. Non mais... Okay. Ah, on a pris des lieutenants qui sont quand même très forts. Là. Ah, ah, ouais. Celui-là, lui, là, avec les deux masses. Ouais, la hache est sympa, mais quand on se prend une baffe, putain. Que c'est long à taper, évidemment. Donc, ouais, il nous faudrait un vrai équipement de tank, en fait. Waouh, obsidienne et tout. Ah, contrat effectué. 30 000 d'expérience, c'est ouf. Yeah, 30 000 d'expérience. On a pris un... Oh, putain. Bon, il faudrait qu'on s'arrête. Juste que je m'amuse un peu avec le bateau, ça fait longtemps. Je vois quelque chose à remonter. Oh là là. Beaucoup de bateaux quand même. Ah, on a une quête là. On a une quête. J'ai un peu peur qu'il m'aggro en fait. Tu sais, en train d'attaquer un bateau de... Ah super, ils vont pile sur nous. Waouh. Vous êtes qui vous? Réparez les rames.
Vous êtes à 3 sur le bateau. Oh putain. Si on se mêlait un peu de leur combat là. Mais l'autre, ils sont en train de parler de l'histoire et tout pendant que je combats, quoi. Ce n'est pas tout. Elle m'aide. Non, on peut pas s'arrêter. C'est difficile à écrire. Comme si je connaissais le prochain coup de mon adversaire. Juste avant qu'il me porte. Fascinant. Vraiment extraordinaire. Les archers, comment ? Capitaine, il faut se préparer au choc ou s'écarter. Il faut s'éloigner de leur route, capitaine. Ces débris pourraient être utiles. Tirez vite! Allez, on va s'approcher de ces débris. Oh mon Dieu. Capitaine, nous sommes sur le point de couler. J'ai vu, on est mal mis et tout, on est mal placé, c'est une catastrophe. Ils prennent rien. Oh, c'était pas mal, c'était pas mal. En plus avec le creux de la vague là. Dans le creux de la vague, on a tiré, ils sont remontés, du coup ils se sont pris tous les javelots en pleine gueule. Quoi. Personne qui veut venir m'aider parce que là... Mec, s'il est violent lui. Ah ouais, non mais j'aime bien les lieutenants qu'on a là, ils défoncent tout. Hein. Je crois qu'il y a un arche où ils sont fait tuer. Il s'est fait tuer l'autre. Je sais pas, il y en a un qui s'est peut-être fait tuer. Est-ce que j'arrive à voir leur nom ? C'est quoi? Bon, allez. Nous approchons de l'île d'Andros. Oui, nous pourrons y voir le tombeau du plus grand mérudon. Oui, mais l'île d'Andros, elle va attendre. Surtout l'un des marbres les plus précieux au monde. Cela me fait plaisir. C'est là que seraient les ruines de l'ancienne civilisation.
Sans déconner. Dinde. Préparez vos flèches. Allez, plus vite. Les rameurs ne peuvent pas tenir ce rythme. Élan, vite. Préparez vos armes. Le volant, c'est trop fer. D'accord, faut qu'on prenne de la vitesse. Leur les pronages et on est bloqué par la putain d'île. Mais tirez bordel. Va très très vite. Ferme ta bouche. On a l'autre bateau et tout. Ok, on est bon. Ça a pas tellement touché. Ok, on est bon. Ah, le mouvement de caméra est un peu relou quand même. Ah putain, il y a l'autre qui nous rattrape. Allez. On ne peut pas partir cette vitesse. Rangez les avirons. Il y a Astérion là, on le combat bien, mais il y a trop de bateaux quoi. Ils sont toujours sur nous. Ah putain, il est full vie. D'accord. Ah putain, on était bien là. Bah après, on peut reset le combat. Hein. Encore une fois. Ouais, du coup, on finit jamais l'épisode, quoi. Ah, c'est bon, on régène. Faire un test. Plus vite. Laisse tourner la voile. Je crois que lui foncer dessus, c'est un peu... C'est une mauvaise idée. Préparez vos armes. C'est dangereux de s'approcher autant. Tire vos flèches. Malaka. Ils vont nous éprôner. Archer. Prépare.
Là, ils vont vouloir me tirer dessus. Les archers, comment ? Ils vont nous servir du feu ! Attention à ces attaques ! Ils s'apprêtent à nous éprôner ! J'ai besoin d'archers ! Tirez ! Allez ! Ok. C'est mal. Très bien. Pourquoi ? Genre, on peut m'expliquer pourquoi on n'avançait plus ? Putain, la vitesse a un problème. Archer, tenez-vous prêts. Tirez vite. Maintenant. Putain de merde. Il va falloir ruser pour triompher, capitaine. Il va te pousser prêt. Allez, plus vite. Ils essaient de nous éprouver. On est prêt à les incendier, capitaine. Il va falloir réparer après ça. Capitaine, ils cherchent à nous éprouver. Je te... Attends. Merci, donne-moi le... Oh mon Dieu, la vie, quoi. Là par contre on est dans la merde, il y a beaucoup de monde. Je voudrais bien avoir 3 points. Merci. Wouh! Ah, qu'est-ce que je l'aime bien, le gros, là. Mais l'autre aussi, il est très très bon. On a 3 bateaux qui nous tournent autour. On peut sauvegarder. Non, on peut pas sauvegarder. On est dans la merde. On est trop fatigué tour de tour. Donc on a tué un des... Encore des membres du culte. Putain, l'épisode qui finit pas, quoi. Et on a... Dieu de la mer Égée. C'est lui qu'on a tué. Je crois, non? Non, ils sont roufs qu'on a tué. Vaincu, vaincu. On a récupéré des gants en or, je crois. Dégâts assassins. Ouais, c'est pas mal. Allez, on se casse.
Bon bah c'est cool, hein, tuer un mec du cosmos un peu par hasard quoi. On l'a trouvé au hasard en bateau. Ah ça va, ils vont pas nous rattraper. Ah c'est du gros sport hein, quand même hein, de combattre hein, en bateau. Hein, ouais, c'est du sport. Hein. Mais ça s'est bien passé. À un moment, il devait nous rester genre 1 HP, un truc comme ça. Mais merde. On était en train de régène, on n'a pas complètement régène. Du coup, on peut pas s'arrêter. On peut s'arrêter là ou pas? Ça m'arrache. Ouh la vache. Oh mais c'est pas fini, il y a du combat direct. Aïe 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 aïe. Bon bah désolé, l'épisode il va durer longtemps. Waouh, super. Voilà. Merde. Encore que je touche pas mes amis, hein, parce que putain. Avec une hache comme ça. Mystios, tu es venu. Nous avons plus que jamais besoin de toi. Aide-nous à en finir avec la dague. Oui. Compte sur moi. Si les informations que tu as découvertes sont exactes, le Martin Pêcheur ne sera pas seul au temple. Tu y trouveras aussi les dirigeants de la dague. Tu peux les éliminer tous et libérer le Bé de leur oppression. Agapios refusera qu'on fasse du mal à son frère. J'aime beaucoup Agapios, mais le Bé avant tout. Lorsque ce sera terminé, je veillerai à ce que ta récompense rejoigne ton navire. Le Bé te remercie pour tes services. Mystios, la Dax sait que nous sommes là. Nous devons faire vite. Marche. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était très long, mais ouais, que des aventures là entre le bateau et tout ça. C'était pas vraiment prévu. Mais c'est fun. C'est bien fun. Bientôt niveau 30. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.